C'est ici, en contrebas de la route, juste à côté du chalet du Planet, que naît le cours de la Valserine. Un petit cours d'eau, mais avec une grande portée historique. Car autrefois, la rivière servait de frontière entre l'Espagne et la France. Le 30 octobre 1564, le duc de Savoie, Emmanuel Philibert, concluait un traité avec la ville de Berne. 4 ans plus tard, une borne fut implantée à la source de la Valserine pour délimiter les terres de Berne, de Savoie et de Franche-Comté. Sur ces hauteurs, l'habitat est dispersé, fait de chalets d'alpage habités l'été. Il trouve son origine dans les défrichements pratiqués au XIVe et XVe siècle par des familles originaires du pays de Gex. Le chalet du Planet est un grand bâtiment rectangulaire couvert d'un toit à 4 pans. Il date vraisemblablement du début du XIXe siècle. Comme pour les autres chalets, il servait pour l'estive des troupeaux et la fabrication des fromages.